Moussakoli News avec Nilambungu. Vos informations en temps réel. La bonne information, c'est Moussakoli News. De Dieu, je n'aime pas le bazar. Je n'ai pas. J'ai pas du mal à dire quand les choses ne vont pas bien. Parce que les choses, mon truc, c'est dehors, c'est pas ici. Faisons tout ce que nous voulons dehors, mais ici, là, c'est sacré. Et je le dis souvent, ceux qui me connaissent, je n'ai pas peur de dire les choses afin que le bon déroulement dans la maison de Dieu puisse se faire. Amen. Alors, on a pris conscience. Dieu m'a béni. Et là que je vous parle aujourd'hui, bah, je suis en CDI. Et Dieu m'a encore appelé à lui parce que j'ai eu un temps de faiblesse, encore les mauvaises compagnies, les histoires. Les choses de Dieu, c'est bien, mais tu peux traîner avec Davido, tu peux. Voilà. Et moi, par le biais de maman Claudine et papa Amos, je me retrouve ici devant vous parce que Dieu m'a dit non, toi. Faut que tu sois là. Même si c'est dur, faut que tu sois près de moi. Amen. Alors pour conclure, le combat spirituel est primordial. Le combat spirituel est primordial. Jésus bénit, certes, mais il faut conserver cela. Amen. Alors le combat spirituel dans la vie d'un jeune nous permet d'échapper aux héritages magnifiques venus de nos ancêtres. Cela nous permet de révoquer des malédictions familiales. Donc l'Église établie, les paroles prononcées sur nos vies et tout ce qui a été fait comme rite dans nos vies. Afin de vivre, comme je disais, une vie épanouie en Jésus-Christ. Pour conclure, dans Jérémie chapitre 31, Jérémie chapitre 31, Jérémie chapitre 31. Ouais. Donc, juste chapitre 31, verset 29. Juste. Je lis la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie, au 31e chapitre, au 29e verset, il est écrit : En ces jours-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On ne dira plus ce que les parents ont mangé. Les parents ont mangé des raisins. Et sans les dents des enfants qui sont agacées. C'est l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Amen. Donc moi je refuse. Je refuse des héritages qui ont été faits par mes ancêtres, des péchés qui ont été commis par mes parents, des choses qui ont été dites avant, puissent infecter ma vie. C'est pour cela que nous nous retrouvons ici, les mercredis, les vendredis, pour prier le Seigneur, opérer la miséricorde de Dieu et combattre, afin que nous puissions avoir la vie, la victoire. Amen. Une chose que nous devons être conscients, nous pouvons surmonter les défis quotidiens, à la maison, à l'école, au travail, tout en planifiant un avenir radieux avec Jésus-Christ. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, papa, maman, restons fermes dans les enseignements, car cela renforcera notre foi, nous permettra de triompher sur le diable et ses œuvres, ses manigances, et de vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Yahweh Salah. Yahweh Salah. Oh yeah.
Tu n'as jamais vu la personne.
Alléluia, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Bien-aimé, communiqué de la semaine. Alléluia, nous avons nos deux intercessions. Donc le mercredi de 18h à 21h, nous avons intercession ici. Très bien.
Je rectifie, on a donc une intercession le mercredi de 18h à 21h ici au 5 Allées des Rochers à Créteil. Et on a notre veillée du mois qui est le vendredi de minuit à 3h du matin. Je pensais qu'on allait acclamer Jésus. Alléluia, c'est l'unique veillée. En tout cas, maman ne manque pas, papa ne manque pas. Viens, on va briser les lois établies pour que nous soyons tous des cadres. Quand il y a des cadres, c'est sérieux. Quand il y a des chômeurs, c'est bizarre. Alléluia, venons briser les lois établies, sortons victorieux. Et je suis sûr que celui qui nous a précédés, il est déjà devant. Alléluia. Et on se retrouve dimanche à partir de 16h30 ici jusqu'à 19h30 pour notre adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Alors je vais vous demander respectueusement, s'il vous plaît, de pouvoir vous lever. Nous allons clôturer la prière. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Merci pour le souffle de vie, la grâce que tu as fait, Seigneur, de pouvoir nous déplacer jusqu'en ce lieu pour pouvoir t'adorer. Vidéo, anniversaire. Vidéo, on a eu un mot. Merci.